Là, vous échangez avec le capitaine et vous serrez tous les mains. Voilà. C'est bon match. Oui, c'est le bon match. Oui, on peut. Ah. Vous pouvez vous mettre en rond, rien pour la mutation, si vous voulez. Le rugby club toulonnais adresse ses condoléances à la famille et aux proches des jeunes disparus. T'as le sifflet ? Oui. Voilà, quand il sera prêt à voter, il nous donnera le coup d'envoi. On va donner le coup d'envoi fictif. Fictif, on va donner le coup d'envoi fictif. Et après, on retapera. Non, c'est vous. Il est au kick. Alors, I think a deal. Yes. Juste un petit pas. Vas-y, vas-y. Tu siffles, tu donnes le coup d'envoi et dans le planter. Vas-y. Voilà. Bravo. Allez. Capitana, blanc, ok. Changez.
juste essayé, mais je peux faire la vidéo. Rien du tout. Hein. Bernard. C'est un joueur hollandais sur le prochain hors-jeu de 19 blancs. T'es où? Bien. On va essayer une position d'hors-jeu. Hors-jeu. Jeu. Allez, on regarde. Frédéric, on a l'impression que cette première période, vous êtes proche de la perfection technique, la copie est bonne. Quel sentiment vous portez sur cette première mi-temps? Elle est bonne parce qu'on domine devant, je pense, notamment en mêlée fermée, en touche on a nos ballons. Après, il faut être un peu plus patient, comme la dernière action, je pense qu'on peut mettre des essais encore, il y a de la place. Merci. Il y a une chamaillerie entre vous deux. Et ce sont un carton jaune pour vous et vous. Voilà. Et c'est les blancs qui commencent, c'est pas été contre les blancs. Arrêt du temps. 1, 2 et 3, changement. 2, 1 et 3, changement. Qui n'a pas touché avant d'aplatir, je suis masqué. Ok. Arrête de prendre Bernard. La touche pour, les blancs. La touche. No.
Repartez, repartez, Blanc. Voilà. Premier arrêt. Non, 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 non. Non, ben arrêtez, s'il vous plaît, là, vous pouvez dire à droite pour arbitrer. Au centre du terrain avec Maxime Mermoz, Maxime 59-0. On a l'impression que ce soir la prestation était vraiment très aboutie. Comment vous avez ressenti cette belle victoire? On va dire je pense qu'on est content parce que on avait la victoire en objectif à domicile vu qu'on n'avait pas joué en plus beaucoup de matchs. On avait à cœur de faire une belle prestation et on savait que les conditions allaient être difficiles, beaucoup de vent, pas de pluie, donc c'était quand même favorable. Mais évidemment, dans nos têtes, à la mi-temps, on voulait garder le bonus offensif et ne pas s'arrêter sur une bonne première mi-temps, mais faire un match plein. Et on a eu un petit passage à vide, on a beaucoup défendu, mais vraiment, je pense, satisfait parce qu'on a pu répéter beaucoup d'actions qu'on travaillait. Et pour une fois, on a réussi à conclure en étant assez précis quand même. Justement, il n'y a pas eu d'excès d'individualité. Vous aurez pu vitement, rapidement tomber dans du rugby un peu foufou, là, du début à la fin. Vous avez eu à cœur de faire un bon match. C'est aussi important ça pour la suite de la saison? C'est très important parce qu'on sait que on va dire à chaque fois qu'on arrive à s'exprimer individuellement, c'est grâce au travail de tous les mecs autour de nous. Et il n'y a personne qui veut jouer pour lui, quoi. C'est un peu l'avantage qu'il y a dans cette équipe et vraiment on est content parce qu'on sait qu'il y a toujours un copain à côté pour nous soutenir et aller au bout de nos choix même s'ils sont mauvais. Merci.